C'est la pleine saison des herbes aromatiques. Mais comment conserver le basilic, la ciboulette, la sauge et tous les autres? Ah bah les herbes aromatiques qui parfument toutes nos recettes, on les adore au point de vouloir en profiter toute l'année. Eh bah du coup la question se pose, quel mode de conservation va-t-on utiliser? Le tout congélation ou le tout séchage? On va distinguer deux sortes, les aromatiques ligneuses et les herbes molles. Les ligneuses, eh bien, ce sont les plantes pérennes qui développent du bois comme la sauge, le romarin, le thym, le laurier sauce. On les retrouve dans la composition du fameux bouquet garni. Les plantes molles, ce sont les plantes qui ne développent pas de bois comme la ciboulette, la ciboule, le basilic, le persil, le cerfeuil. Alors côté ligneuse, bon, on va adopter le séchage. Cette méthode leur permet de garder plus de parfum. Faites simple, confectionnez un bouquet de la variété choisie et pendez-le la tête en bas. La plante va sécher et on prélèvera les feuilles au fur et à mesure de nos besoins. Côté molle, optez pour la congélation. Elles garderont plus de goût. On coupe les feuilles, on peut les ciseler et les mettre dans un petit contenant allant au congélateur. Ou alors on peut même faire des glaçons avec un tout petit peu d'eau. Ces techniques simples vont vous apporter de belles saveurs pendant toute l'année.